Ce soir, on se fait des carrés savoyards. On commence par faire de la chair avec une échine de porc. Un petit hachoir comme ça, ça coûte vraiment que dalle, c'est vraiment pratique quand tu pourras faire les choses toi-même. Environ 15 g de sel par kilo avec un peu de poivre. Et on n'oublie pas les légumes. Bah quoi, c'est à base de fleurs des Alpes. On arrose avec amour, on rajoute une pointe de crème pour apporter du moelleux à notre chair. On laisse au frais quelques heures, ensuite on se fait des belles boulettes. Entre 100 et 200 grammes, ça dépend de la taille de ton ventre. On prépare des belles tranches de Beaufort qu'on va couper en carré et on garde les chutes. Tu récupères tes bouboules et tu viens mettre les fameuses chutes à l'intérieur. Ensuite tu fais une belle croix de Savoie avec du lard fumé. Un carré de Beaufort, ta bouboule, un autre carré de Beaufort, tu replies et ton carré est prêt. Pour la déco, on va mettre un peu de chapelure assaisonnée sur les côtés. Tu trempes légèrement ton carré dans de l'eau et tu viens mettre ta chapelure sur le côté. Pour la cuisson, on caramélise un oignon. On vient rajouter nos carrés. On les retire. On rajoute une goutte de genépi auquel on va foutre le feu. Tu remets tes carrés et ton four de 30 minutes à 180 degrés.